dire un simple mot, donne envie de chanter simple chose, ou bien lui chanter ma chérie amour. Qu'elle me fait ressentir, j'ai tant de mal à te dire ce que mon cœur aspire. Je ne peux pas le décrire. Chanter simple chose, ou bien lui chanter ma chérie amour. J'ai voulu me résigner, je ne peux pas m'éloigner. Grâce à toi, oh baby, même le bonheur me sourit. Abel Maxwell, bonjour, bienvenue à l'émission Court Circuit. Bonjour, merci. Alors Abel, t'as un parcours assez incroyable. T'as une formation de base de pianiste jazz, t'as dirigé des chorales gospel. Ces derniers temps, t'as fait de la pop, et puis là, c'est une sonorité un peu afro-pop qui s'en vient là. Comment ça s'est fait, toute cette évolution? Ben, je pense que tout vient du parcours. Je suis afro-descendant, je viens d'Afrique. J'ai évolué en Europe et en Amérique du Nord, donc toutes ces musiques sont en moi. J'ai une formation classique et jazz, donc j'essaie juste d'être... L'inspiration vient naturellement et c'est ce qui se passe en ce moment. Moi-même, je suis émerveillée par ce qui se passe parce que j'ai... je suis honorée, je suis très... En tout cas, de recevoir l'appréciation des gens sur ma musique, c'est vraiment... C'est vraiment super, c'est assez incroyable pour moi. Je suis encore émerveillée par ce qui se passe. Est-ce que dans cette évolution artistique et puis d'exploration de style aussi, est-ce que tu dirais que le fait d'avoir vécu justement sur ces trois continents, est-ce que là où tu vis, ça inspire et puis ça influence ta musique du moment? Absolument, tout m'inspire de toute façon. Et je crois qu'aujourd'hui,
ben, c'est vraiment toutes mes racines africaines qui ressortent dans ma musique beaucoup plus. Alors j'ai juste laissé libre cours à cette inspiration et c'est ce qui se fait en ce moment. Donc je suis content que ça puisse rejoindre quelqu'un. Mm-hmm. Donc voilà. Puis c'est ça, dans ce style, j'ai eu l'occasion de découvrir là sur scène un petit extrait du test de son et puis vu tes vidéoclips récemment. Il y a une petite influence aussi, ben, donc on le dit, d'afropop. On retrouve un peu des sonorités comme Davido et puis je trouve que c'est quelque chose qui est très festif, très dansant. Qu'est-ce que tu apprécies le plus, toi, en spectacle, dans ton rapport avec le public? Ah, mais ce que j'apprécie le plus, c'est la connexion. Parce que sans le public, l'artiste n'existe pas, en fait. On le fait pour le public, on le fait pour connecter, on raconte son histoire, on raconte l'histoire aussi des personnes qui n'ont pas de voix. Et on essaie de raconter quelque chose du cœur, finalement. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir connecter avec l'audience, avec les gens qui sont là. Qu'ils soient 500, 1000 ou 2 personnes ou 1 personne, c'est vraiment la même chose pour moi. Je donne toujours j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Mm-hmm. Et j'espère que ça rejoigne quelques personnes, sinon tout le monde. On va faire une chanson qui s'intitule Por favor, qui est en l'honneur des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Il y a des femmes, faites du bruit! Tout a commencé par un regard, et puis un peu après, un pas vers moi. Dans mon coin avec mes gars, célébrant la vie et nos exploits, essayant de lire dans son regard pourquoi cette tristesse qui l'embarque, marchant dans le vide, le désespoir. Tout doucement elle murmure, por favor, por favor, take my hand, take me away for one. Ta lumière intérieure t'emmènera vers un grand bonheur et te guidera. Souhait de ton cœur, elle saura. Tout doucement, elle murmure, por favor. Bye-bye.
magnifique. Merci beaucoup. Il y a 3 ans de ça, je suis allé en Gaspésie et j'ai eu le privilège d'écrire une chanson qui parle d'humanité, qui parle que la différence n'existe plus entre les êtres humains. La voici. C'est au loin, au large, la vie se passe. Regarde, le quotidien change, le meurt du temps. Regarde, au-delà des vérités, des mirages. Regarde, et bien au-delà de l'orage. Regarde, car la différence n'existe plus. Jusque-là, tu ne l'avais pas vu. La différence n'existe plus. Oh, 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 oh. Jusque-là, tu ne l'avais pas cru. Et à l'horizon, le rêve. Regarde, une petite lueur se cache. Regarde, oh, le nord et le sud coexistent. Regarde, le brillant de ses yeux voit comme tout se peut. Regarde la différence. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Regarde. Dans la différence n'existe plus. Là, tu ne l'avais pas vu, car la différence n'existe plus. Oh, oh, oh. Jusque-là, tu ne l'avais pas vu. Oh, regarde, 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 regarde. Regarde, 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 regarde. Tu le mentionnes, c'est raconter des histoires, la musique, et puis inspirer. Il y a cette notion d'inspiration là, elle est très présente chez toi, dans les thèmes que tu abordes, et puis même aussi si on te suit sur les médias sociaux. Pour toi, est-ce que c'est nécessaire de transmettre des messages toujours de positifs dans la musique? Est-ce que c'est toujours important que ça soit un peu festif? Pour moi, la musique est un moyen d'emmener les gens dans une case de départ à une case d'arrivée. Là, sa case d'arrivée doit être quelque chose, parce que je trouve que les gens souffrent, beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de personnes ont des questions, on se pose des questions, se découvrent, ils ont besoin de se découvrir eux-mêmes. Pour moi, la musique est une façon de pouvoir faire passer un message d'espoir. Et que moi, on se sent mieux quand il y a de la joie plutôt que de la tristesse. Mm-hmm. On se sent mieux quand de l'assurance plutôt que des doutes et de l'insécurité. Donc, j'essaye d'être un vecteur. J'essaye de faire en sorte que ma musique soit un vecteur
de joie. Mm-hmm. C'est pour cela que je le fais. Sinon, pourquoi est-ce qu'on le fait? Mm-hmm. On ne va pas rendre les gens plus tristes, on ne va pas les ennuyer non plus, on ne va pas leur parler de leurs problèmes, on va parler de leurs problèmes, juste donner une perspective nouvelle et leur dire, écoutez, il y a pire. Il y a des personnes qui passent par des choses plus difficiles et on peut quand même, on peut célébrer le fait qu'on est en vie et c'est merveilleux déjà d'être ici et puis donc voilà, de donner un peu d'espoir autour de moi, c'est ce que j'essaye de faire un peu partout et on retrouve cette ligne conductrice dans ce message sur les médias sociaux et puis dans ma musique et aussi dans mes conférences. C'est ça, parce qu'il y a des thématiques comme le fait de ne pas abandonner. Il y a une chanson aussi que tu as sortie sur, je pense, un petit peu la souffrance de femmes victimes de violences conjugales et ce genre de choses. Donc parfois des sujets graves, mais abordés avec une apparente légèreté pour un peu banaliser. Est-ce que tu veux chercher à ce que amener le dialogue et que les gens en parlent plus facilement de ces sujets difficiles? C'est exactement ça, oui. C'est vraiment de pouvoir mettre sur la table de discussion des sujets difficiles, qu'on puisse trouver des solutions et qu'on puisse trouver une perspective nouvelle qui va rassembler les gens plutôt que les diviser. Là, on se trouve au Centre des Arts Schenkman. Ce soir, donc, tu as ton spectacle dans la grande salle. Est-ce que c'est la première fois que tu joues ici? C'est la première fois que je joue ici. Comment tu te sens? Je suis tellement excitée. J'en reviens pas moi-même. J'ai l'impression de vivre un rêve. Ça fait longtemps que j'avais envie de jouer ici, dans ce cadre, de contact en Tarouin. Je suis honorée d'avoir cette opportunité et j'espère donner le meilleur de moi-même encore cette fois-ci, ce soir. On te connaît comme artiste, bien sûr, sur scène, pianiste, chanteur, danseur, j'ai cru voir un petit peu aussi, mais tu as d'autres cartes à ton actif, notamment parfois des projets de direction artistique. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes implications? Alors, j'ai été approchée par un organisme qui s'appelle l'ACFA et qui travaille avec l'UNESCO pour un projet sur l'histoire générale de l'Afrique. L'Afrique a une histoire, en tout cas, qui est riche et qui n'est pas enseignée dans les écoles. J'interviens aussi pas mal dans les écoles avec des concerts, avec des conférences pour éviter le décrochage scolaire et puis encourager les jeunes à suivre leurs rêves et voilà, à rester à l'école. Donc, ils m'ont approché pour que je dirige un peu artistiquement. On va créer une chanson qui va être diffusée par l'UNESCO dans le monde entier. Donc, c'est un honneur incroyable. Donc, on est en cours, on est en train de le faire. On a des réunions successives qui vont se faire tout le long de l'année. On a le mois de l'histoire des Noirs qu'on célèbre le 28 février. Et je suis honorée d'être présidente d'honneur cette année. Et l'année prochaine, ça sera quelqu'un d'autre, parce que je crois qu'il faut passer le témoin à d'autres personnes et pas rester sur un trône indéfiniment. Tu parles de transmission, d'éducation. Ouais. Est-ce que tu penses que quand tu vas dans une école, ça a plus de poids quand un message vient d'un artiste par rapport à un enseignant, ou comment tu vois ça? Ben pour les élèves, un artiste, c'est beaucoup plus excitant. Ça sort de l'ordinaire, c'est différent. Donc les artistes sont un peu plus écoutés que le professeur qu'on voit tous les jours. C'est un peu normal. La nouveauté, la rareté. Donc ça, c'est bien. Et puis aussi, sur les médias sociaux, surtout sur le Snapchat, j'ai beaucoup de jeunes sur mon Snapchat, Snapchat et Instagram. Au début, c'était Facebook, mais maintenant, donc tout est en lien, en fait. Ce que je dis à l'école, je le dis sur mes médias sociaux. Du coup, on reste en contact tout le temps. Et j'essaie de dérouler ma vision, d'encourager et puis d'inspirer les autres, les jeunes. Même pas sorti une fois aujourd'hui. Il faisait ben beau, plein de soleil, comme Michel m'a dit. «
Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je dors même plus l'avant-midi. J'ai même pas envie d'aller me saouler. Pour arriver à t'oublier. Pour arriver à t'oublier. Ma chanson, je l'ai inventée. Pour te la chanter, te la donner. Pour te faire plaisir, te faire sourire. Maudit, vas-tu y aboutir? C'est pas donc une bonne affaire d'être en amour en plein hiver. Tous les deux, on n'a pas d'affaire. On est tous les deux de notre bord de la rivière. Finalement, je ne peux plus rien faire. Que faire semblant de ne pas te voir. Que faire semblant de ne pas te voir. Que faire semblant de ne pas te voir. D'intéressantes sorties, il y a eu le titre Célébré, oui. Dont il y a un très beau vidéoclip qui l'entoure. Comment ça s'est passé le tournage? Ça a l'air d'être filmé à plein d'endroits différents. Oui, alors j'ai été invitée pour être maître de cérémonie pour un défilé de mode. Donc il y avait plusieurs cultures, il y a des gens qui viennent des designers qui viennent de l'Inde, des États-Unis, d'Afrique, d'Europe. Et c'était vraiment un mélange culturel qui était super intéressant. Et j'ai chanté cette chanson, j'ai chanté Célébrer, qu'on célèbre la diversité, qu'on se célèbre soi-même à ce défilé de mode. Et ben, ça a rejoint beaucoup de personnes et finalement, on l'a gardé. Voilà, et c'est devenu une vidéo officielle. Donc voilà, ça s'est fait de manière un peu fortuite, mais finalement. Je suis content du résultat et puis de la réponse que j'ai eue, qu'on a eue avec mon équipe là-dessus. Au-delà de ce spectacle qui s'annonce et de bien d'autres, j'espère, qu'est-ce qui s'en vient pour toi et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer, de continuer à inspirer, à encourager le plus de personnes possible. Je travaille sur un album en ce moment qui va sortir cette année en automne. Et donc, et entre-temps, j'ai quelques dates ci et là. Ici, j'étais en Angleterre il n'y a pas très longtemps, aussi aux États-Unis, en France. Et j'aimerais faire un peu plus de dates au Canada. Et donc voilà, et rejoindre le cœur des gens. c'est ce que je souhaite. Voilà. Bah c'est tout ce qu'on souhaite. Merci encore d'être venu à Course. Merci beaucoup, merci pour cette entrevue. Aïe 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 aïe. Ça vous dit taper dans les mains avec moi? Yeah. C'est presque la fin du mois mais le loyer n'est pas payé. Y'a pas de son métier, on court tous après le papier. 14 du matin, moi je suis déjà réveillé. Je suis déjà réveillé. J'aurais tout essayé. Hey. Ils disent qu'ils m'aiment et je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Déchargent leur haine dans mon dos et me font des coups bas. Tu
tu doutes, personne t'écoute, t'écoute. Longue nuit, les journées sont courtes. Et je me rappelle, maman m'a dit, never give up, never give up. Maman m'a dit, never give up, never give up. Maman m'a dit, never give up, never give up. Maman m'a dit, never give up, never give up. Maman m'a dit de faire attention, que d'être libre, c'est la solution. Les hommes se cherchent, mais l'amour doit nous guider. Ça je le sais, je ne veux pas l'oublier. Oh, ils disent qu'ils m'aiment, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent tout bas. Ils chargent leur haine dans mon dos et me font des coups bas. Tu doutes, personne t'écoute, t'écoute. Longue nuit, les journées sont courtes. Mais je me rappelle, maman m'a dit, je voulais chanter avec moi. Never give up, never give up. Maman m'a dit, on y va. Never give up, never give up. Maman m'a dit, on y va. Never give up, maman m'a dit. Never give up, never give up. Alors maintenant, c'est le temps de célébrer. C'est une chanson de célébration, donc on peut pas la faire en étant assis. Si vous voulez bien vous lever, c'est la dernière chanson. Si ça vous dit, ça prend les mains avec moi, on y va. Hey! À célébrer, à célébrer, à célébrer, à célébrer, oh, célébrer, célébrer, oh, on va célébrer, à célébrer, à célébrer, à célébrer, à célébrer, oh, célébrer, célébrer, oh. On va célébrer. Et pourquoi cette détresse, mon ami, oh. Hey. Et dans la vie, faut pas trop s'inquiéter, oh. Hey. Si tu ne peux pas tout contrôler, oh. Ta confiance en celui qui règne là-haut. Et tu es un miracle, malgré tous tes obstacles. Tu es un miracle. La vie est un voyage, comme le soleil à son lever. Tu peux te relever, tout va s'arranger. Faut pas abandonner, persévérer. Il faut continuer d'avancer. Est-ce que ça va? C'est la fête, on va célébrer. Mon ami, on va célébrer. C'est la fête, on va célébrer. Mon ami, on va célébrer. Même si tout n'est pas parfait, dans la vie, il faut célébrer. C'est la fête, on va célébrer. Mon ami, on va célébrer. Même si tout n'est pas parfait. On y va, hey! Célébrer, 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 oh, célébrer, célébrer, oh. On va célébrer, 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 oh, célébrer, célébrer. Les gens avec moi, célébrer, 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 oh, célébrer, 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 oh, on va célébrer, oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment une joie d'être là. Merci.